Alors, heureusement que mes parents ne me voient pas filmer d'être comme ça. Je crois qu'ils attraperaient une crise cardiaque. Non, mes parents n'ont pas Internet. Ils n'ont pas Internet. Par contre, parfois, ma soeur et moi, ils montraient quelques vidéos de choupi, tout ça. Voilà, tous les problèmes que j'ai à la copropriété, donc mes parents sont au courant. Mes amis et mes connaissances, hein, ils sont tous au courant et j'ai d'autres personnes qui ont le double de mes dossiers. C'est-à-dire que s'il m'arrivait quelque chose à moi, ne croyez pas que les choses ne vont pas sortir. Comme je dis, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. D'accord? Oui, parce que vous n'êtes pas au courant, mais ça fait 5 ans que je suis harcelée. C'est hallucinant. Je ferai des vidéos et j'expliquerai tout ça au fur et à mesure. Mais il y a des gens, voilà, que s'il m'arrive quelque chose, il y a des gens qui reprendront la relève. Donc je disais, heureusement que mes parents ne voient pas ces vidéos-là. Parce que les pauvres, à leur âge, il me dirait, mais Roselyne, on ne t'a pas élevée comme ça, qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, mais c'est dangereux. Attends, comment ça marche la lumière? Elle ne marche pas, non, la lumière? Non, je parle de mon téléphone, hein, de mon appareil. Mince, j'ai pas assez de lumière pour voir ici. Pour redescendre, c'est un peu plus facile que pour monter, hein? Je l'avoue. Bon, pour le moment, je n'ai pas été interpellée par un fantôme, donc ça va. Ça, c'est une salle qui est vide. C'est pas la caserne des pompiers qui va être mise ici. Je me souviens plus de ce qui avait, été dit. Ah, sonner ici. Je fais la sonnette, hein. Je fais la sonnette, bien entendu. Ben, il n'y a personne. Hein. Il y a marqué sonner ici. Moi, je sonne. Hein.
Allez, on redescend les escaliers. Ben non, il n'y a pas de lumière ici. Alors ici, je verrais bien une salle de sport avec un petit endroit où on peut manger, on peut avoir un bar à jus aussi. Je verrais bien une salle de sport, oui. Ce serait pas mal ici. Ben oui, comme ça, je viendrais faire du sport. Donc voilà, prenez mon idée ici, faire une grande salle de sport avec douche, tout ce qui s'ensuit, sauna, hammam, et surtout un coin restaurant avec bar à jus, c'est très important le bar à jus. Voilà, ça fonctionne très bien. Puis un petit coin épicerie bio, végétarien et végétalien.
ancienne restauration. Qu'est-ce que je vous disais? Ah ben voilà. Voilà, la réponse est là. Je vous ai dit, moi. J'ai plein d'idées. Mais non, après, je ne suis pas capable de travailler. Donc, malheureusement, je ne tiendrai jamais. Voilà. Là, j'ai lâché le fauve. Ah non, non, je ne remonte pas les escaliers. Moi, je suis morte, là. Là, j'ai les pieds, ils traînent. Ah non, je ne remonte pas les escaliers, ma chérie. Ça y est. On ne peut plus. Où elle veut aller, elle? Donc voilà, si vous souhaitez avoir un coach pour courir, ben vous avez Choupi. Voilà, elle peut vous aider à vous coacher. Voilà. Ah tiens, un petit coin de verdure là-bas, allez, je vais y aller. Viens ma choupie, viens, on fera la sieste plus tard. Hein. Ouais. En rentrant, je vais aller faire la sieste parce que là, quelle heure il est? Alors, il est, attends, miss it please, il est midi 40, 1h moins 20, ouais.